Bonjour. Comme dans toute l'Europe médiévale, le haut dauphiné fut marqué par la présence de mouvements déviants par rapport à la norme religieuse et spirituelle proposée par l'Église. Les principales formes de déviance furent l'hérésie et la sorcellerie. L'hérésie désigne au Moyen Âge un choix dans la doctrine ou dans le comportement qui éloigne le chrétien des modèles admis par l'Église. Si le catharisme eut un grand retentissement dans le Midi-Toulousain et en Italie du Nord, il fut en revanche quasiment absent de nos régions. Ce n'est pas le cas de la première hérésie repérée ici qui fut celle de Pierre de Bruyse. Vers 1120, ce prêtre embruné, dont on situe l'origine parfois à Rosan ou en Valouise, développe une prédication populaire et itinérante dans le midi de la France. Il affirme que le baptême des enfants n'a aucune valeur, ni l'Eucharistie, et encore moins la prière pour les morts. La croix ne doit pas être vénérée. Il meurt en 1139 à Saint-Gilles-du-Gard, porté par la foule sur le bûcher de croix qu'il voulait allumer. Quelques années plus tard, l'abbé de Cluny écrit aux évêques d'Embrun et Gap pour leur reprocher de n'avoir pas combattu cette hérésie à temps et par la faute desquelles elle a pu se propager dans le Midi. L'autre hérésie, beaucoup plus importante, Fut le mouvement vaudois, qui eut un retentissement et une durée sans commune mesure avec l'hérésie de Pierre de Bruis. Fondé à Lyon par Pierre Valdès dans les années 1170, le valdéisme faisait à l'origine la promotion de la prédication par les laïcs et de la vie pauvre imitant l'évangile. S'attirant rapidement la méfiance de la hiérarchie ecclésiastique, le groupe des Vaudois est condamné par le pape en 1184. La plupart des Vaudois quittent alors la vallée du Rhône, s'installent en Italie, dans le Midi, et constituent des communautés organisées dans les vallées alpines où ils trouvent euh, refuge. Leur doctrine prend alors une couleur nettement anti-ecclésiale et anti-romaine. Cette clandestinité pousse les Vaudois dans un certain fondamentalisme biblique, et la mort de Pierre Valdès vers 1205 accentue leur division et radicalise le mouvement. Dans nos régions, on ne repère les Vaudois que tardivement, surtout à partir des années 1370. On garde toutefois une lettre du pape Innocent III, datée de 1198, qui demande à l'archevêque d'Embrun d'agir contre les hérétiques. Mais cet appel reste trop vague pour attester assurément la, la présence de Vaudois aussitôt dans nos régions. Au XIVe siècle, sans doute originaire des Alpes italiennes, on voit les Vaudois dans la vallée du Cluson, de la Valouise et autour de l'Argentière. Outre sa position de refuge, la région accueillit favorablement leur prosélytisme. Les groupes vaudois étaient hiérarchisés, solidaires, on rompait le pain au cours d'assemblées clandestines, on lisait la Bible en langue vernaculaire dont ils connaissaient des passages entiers par cœur. Les vaudois su suivaient les prêches de maîtres itinérants, les barbes qui passaient d'un village à l'autre pour souder les communautés et les raffermir face aux persécutions. Les Barbes se réunissaient en un chapitre annuel chargé d'élire les ministres prédicateurs. Dernière déviance religieuse notable dans le Haut-Dauphiné, celle des sorciers. À la fin du XIVe siècle, les pratiques de magie curative, celles des guérisseurs notamment, sont désormais dénoncées comme sataniques, ce qui n'était pas le cas avant notamment en raison de la généralisation d'une médecine rationnelle qui exclut les médecines non universitaires ou les médecines liées aux superstitions. Si la grande époque de la chasse aux sorcières commence à la Renaissance et non au Moyen Âge, le Dauphiné pourtant fut l'une des provinces d'Europe où ce mouvement de persécution s'engagea extrêmement tôt. Au début du XVe siècle, les dénonciations auprès des autorités civiles et religieuses permettent d'établir une cartographie de la présence de sorciers, principalement dans les vallées, dans le Champsaur, dans le Briançonnet, dans le val cluson 70% à cette époque des sorciers sont des femmes, mariées ou veuves. Qu'il s'agisse de simples guérisseurs de campagne, de rebouteuses ou de véritables sorcières qui se déclarent ainsi auprès de leur clientèle, cette carte montre que le nord du diocèse d'Embrun abritait de véritables foyers de sorciers, distincts des Vaudois échappant aux règles de la médecine et de l'Église. Il faut enfin évoquer une secte qui n'est mentionnée qu'en 1456 par l'archevêque d'Embrun. Fondée à Embrun par un cordelier, le frère Basile, il s'agissait d'une confrérie appelée Confrérie de la Discipline, sans hiérarchie, qui ne suivait pas les règles coutumières des confréries laïques. Cette secte rencontra un grand succès dans la ville, notamment chez les notables, qui, et certains d'ailleurs furent soupçonnés d'hérésie. Après avoir été convoqués au tribunal de l'archevêque, cette association fut dissoute et l'affaire classée. Mais on devine que ces déviants étaient en réalité des chrétiens rigoristes, influencés par la piété franciscaine et dont l'ascétisme visait à ranimer la foi des fidèles, notamment pour s'opposer aux Vaudois. Voici donc un cas assez étonnant de groupe anti-hérétique condamné pour hérésie. A très bientôt.